la réalité de notre existence est que nous sommes une combinaison de matière et d'esprit. Chacun d'eux, à leur tour, est une combinaison de nombreuses parties, toutes dans un état de perpétuel changement. Malheureusement, notre ego ne se satisfait pas d'une explication aussi simple. Il complique la question en fabriquant la notion d'un je ou soi fondé sur nos conceptions, ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Nous pensons « je suis séduisant » ou « je suis laid » ou « je suis un bon danseur » ou « je ne réussirai pas »,« j'ai un mauvais caractère ». Nous croyons à ces projections et nous présumons qu'elles sont permanentes et ne peuvent changer. Nous faisons de même avec les personnes et les choses qui nous entourent. Nous pensons « elle est laide, elle est gentille ». Nous échafaudons notre propre représentation détaillée et très solide de la réalité et nous nous y accrochons aveuglément. La méditation sur la clarté de l'esprit est un antidote efficace à nos projections concrètes. Nous pouvons acquérir une expérience directe de la nature claire, immatérielle et éphémère de toutes les pensées, des sentiments et des perceptions, affaiblissant ainsi la tendance à nous identifier à eux. À mesure que le sujet, l'esprit, s'adoucit, les objets qu'il projette en font de même. Peu à peu, ils perdent leur aspect concret. Le sentiment d'hostilité envers la personne mauvaise surgira peut-être encore à cause de l'habitude, mais nous aurons l'espace pour nous rappeler « c'est une projection de ma pensée qui est claire et transitoire. Telle une vague, elle s'élève dans mon esprit pour bientôt disparaître. L'objet n'existe pas de la façon dont je le vois. La méditation sur la clarté de l'esprit est particulièrement efficace pour atténuer l'opinion que nous avons de notre propre moi. Souvent, nous n'avons pas une haute estime de nous-mêmes. Elle s'appuie sur des erreurs passées, des défauts de notre personnalité, des mauvaises habitudes et d'autres choses du même genre. Mais la colère, la jalousie, l'égoïsme, la dépression et les autres problèmes qui nous hantent sont des expériences mentales et sont donc claires et transitoires. L'existence de ces états d'esprit dépend de notre croyance en eux. En reconnaissant cela au cours de la méditation sur la nature de l'esprit, nous apprenons à lâcher prise et cessons de nous identifier à ces expériences. Notre nature primordiale est clair et pur, et nous accompagne 24 heures sur 24. Les négativités qui s'élèvent et retombent comme des vagues sur l'océan de notre conscience sont temporaires et peuvent être éliminées. Une pratique suivie de cette méditation produira finalement une certitude quant à cette nature pure, jusqu'au moment
où cela deviendra notre réalité, notre expérience même. C'est une étape normale vers la compréhension de la nature plus subtile du soi et de tous les phénomènes, la vacuité d'existence intrinsèque. Pour commencer la pratique de cette méditation, commencez par vérifier votre posture. Vous avez le dos droit, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré afin d'étirer la nuque. Détendez tous vos muscles et les autres parties de votre corps. S'il y a la moindre tension dans une partie du corps, laissez-la se dissoudre et disparaître. Laissez votre respiration être naturelle, le souffle entrant et sortant à un rythme naturel. Ayez une motivation positive pour faire cette méditation. Vous pouvez penser, par exemple, « Je souhaite pratiquer la méditation afin de réduire l'énergie négative dans mon esprit, comme la colère, l'égocentrisme, l'attachement, l'orgueil, etc. Et développer mes qualités positives, comme l'amour, la compassion, la patience et la sagesse. De cette façon, j'aurai davantage d'énergie positive et bénéfique à apporter dans mes relations avec les autres et à envoyer dans le monde. Présent, revenez à votre respiration et inspirez profondément par les deux narines. Faites descendre l'air dans le ventre. Retenez-le pendant un moment. Puis expirez lentement et doucement à travers les lèvres très légèrement entrouvertes. Répétez cela deux fois, puis respirez normalement en inspirant
et en expirant par le nez. Observez votre respiration sans penser, sans conceptualiser. Une fois que votre prise de conscience s'est aiguisée, placez votre attention sur la clarté de votre conscience. Votre conscience, ou esprit, est tout ce dont vous faites l'expérience en ce moment. Les sensations de votre corps, les pensées, les sentiments, les perceptions sonores, etc. La nature de chacune de ces expériences est clarté, sans forme ni couleur, semblable à l'espace, une conscience pure. Concentrez votre attention sur cette nature pure et lumineuse de l'esprit. Au début, il est peut-être difficile de trouver l'objet réel, c'est-à-dire la clarté. S'il en est ainsi, méditez sur une image mentale de clarté. Un des moyens de produire une telle image est de visualiser l'espace. Imaginez que vous êtes couché au sommet d'une colline et que vous regardez fixement un ciel parfaitement clair et sans nuages. Concentrez-vous sur ce vide immense et sans aucune obstruction. Imaginez que ce vide
se répand vers le bas et vous enveloppe, vous et votre environnement. Tout devient vide comme l'espace. Maintenez cette expérience. Ressentez que la nature de votre esprit est semblable à cet espace vide et dégagé. Des pensées et des distractions surgiront. Mais n'y réagissez pas. Ne les suivez pas. Ne les rejetez pas non plus. Souvenez-vous qu'elles sont par nature claires, sans substance. Observez-les simplement passer. Puis revenez à la conscience de la clarté de l'esprit. Ne pensez à rien pendant cette méditation. Il n'est pas nécessaire de vous demander ce qu'est l'esprit. Observez-le seulement. Observez sa nature claire, semblable à l'espace vide et infini. C'est suffisant. Soyez naturel.
la méditation est quelque chose de simple et de naturel. Rien de spécial. Se concentrer signifie maintenir l'esprit continuellement sur un objet, sans l'oublier. Il en résulte automatiquement un état de conscience dénué de concepts. Une lumière n'a pas besoin de penser « je dissipe l'obscurité ». Elle illumine, tout simplement. La conscience est une lumière intérieure qui nous permet de voir les choses plus clairement. Elle chasse la lourdeur avec laquelle les choses nous apparaissent et affaiblit ainsi notre attachement ou notre aversion à leur égard. Méditez pendant de courtes périodes jusqu'à ce que votre concentration s'améliore. Vous pouvez alors vous asseoir pour une heure ou plus, ou encore aussi longtemps qu'il vous sera possible de maintenir un état de conscience soutenu. Si la méditation se déroule bien, vous vous sentirez léger et détendu.
Pour terminer cette méditation, dédiez l'énergie positive créée pendant cette méditation pour le bonheur et le bien-être de tous les êtres.